Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau DIY. Je vous ai promis d'en refaire, donc c'est parti. Donc je suis désolée pour mon absence de vidéo, j'ai pas eu beaucoup le temps, donc voilà. Là je suis en vacances, donc j'ai le temps de faire des vidéos. Donc pour cela vous allez avoir besoin de feuilles de couleur. Moi j'ai pris des feuilles comme ça. Vous allez en avoir besoin de deux. Moi, je vais prendre du vert comme ça. C'est genre un vert. Avec donc je prends ces deux couleurs là. Ensuite, vous allez avoir besoin de trucs. Je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires. Ce sont des agrafeuses. Vous agrafez et ça fait des formes. Donc j'en ai pris comme un cœur et un genre de bonbon. Et aussi vous allez avoir besoin de colle. Donc moi j'ai pris un tube normal hein, avec une feuille évidemment blanche. Et vous prenez évidemment une feuille A4. Donc pour cela vous allez commencer à découper. Donc vous allez prendre votre feuille comme ça. Et vous allez faire des petites formes et après vous les récupérez ici. Donc là, voilà, je vais en faire d'autres. Donc c'est à la forme de ça. Je sais pas pourquoi ça est bloqué. Ouais, on va récupérer ça ici. Oups, pardon d'avoir fait tourner la caméra. Je suis désolée. Alors, après que vous avez fait ça, vous allez, donc je mets ça à côté. Maintenant, on va prendre la colle et on va coller. Et on va le couler juste là. Donc on va faire la même chose pour les autres. Donc je vous reprends après. Après avoir collé donc les petits bonbons, vous allez prendre un marqueur vert. Donc moi j'ai pris celui un peu pinceau. Et je vais faire des petits points verts. Pas que ça fasse un segment, mais faut que ça fasse quelque chose de joli. Donc et voilà, faire la même chose pour les cœurs. Et par contre on va prendre maintenant celle-ci. Vous faites la même chose. Voilà. J'ai vu ce que ça donne déjà. Voilà ce que ça donne pour les bonbons maintenant.
On va faire la même chose. Savon pour l'éclair. Voilà. Je fais la même chose. Je fais la même chose pour les cœurs. En fait, il fait juste la même chose. Ensuite, vous avez fait ça, vous prenez votre feutre. Donc, prenez un feutre qui va avec, donc un jaune par exemple. Et vous allez faire la même chose. Des petits points, il ne faut pas que ça soit ça fasse un segment. Il faut que ça soit écarté. Bon, vous pouvez en faire d'autres, donc voilà. C'est ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez le conseil des pouces bleus, abonnez-vous, partagez. Laissez-moi un petit commentaire, likez et on vous dit à très vite. Ciao !